Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dark Souls 3, dans laquelle nous allons faire le DLC, du moins les 30 premières minutes, étant donné que je vais attendre Monsieur Lanes, que vous avez très certainement déjà vu une vidéo en extra le concernant. Je ne pouvais pas m'empêcher, il fallait absolument que je la mette. Donc je vais faire les 30 premières minutes du DLC et ensuite, le reste, je ferai avec Monsieur Lanes pour le fun. Merciful goddess, mother of the forlorn, who have no place to call their own. Please bear witness to our resolve. Alors vous allez voir, il va faire un bruit que j'ai fait au moment où je me suis rendu compte que le DLC était enfin sorti. Maintenant, en principe. Non, juste après. To kindle flame. Exactement le même bruit. Quel bon imitateur. Bonjour. Wait. You've Belle barbe. The same scent as that woman. Quelle femme. Then you must be an action one. Ah, c'est peut-être aussi avec le fait que je me suis pas lavé, je sens peut-être la pas lourde, hein. Je sais pas. You don't know how long I've searched. C'est longtemps pour que tu oublies de te raser, peut-être? Ok. Autre chose? Don't mind me, didn't mean to fall apart. One, I have a kindness to ask of you. My lady lives in the cold land of Ariandel. I need you to show her flame, a proper flame that will burn the rot away. Pas de problème avec mon épée. If you truly are ash, then it must be fire that you seek. Let's go! Thank you. Rappelons-le, en Suisse, ce DLC coûte 16 balles. Je tiens à le rappeler quand on le commence, et je le rappellerai quand on aura fini. The painting of Ariandel. Well, rotted scrap of it, that is. Go on. Take it. Touch it. Quoi, c'est encore un monde peint? Ça rentrera jamais! Ah si! Vous voyez, ça s'élargit toujours. And then the ashes were two. Ok. Je vais mettre désolé pour le compteur de FPS en bas à droite, mais en fait, ça va être obligé parce que j'ai découvert qu'une capture d'écran, ça consomme beaucoup moins qu'une capture de jeu dans OBS. Donc, what the fuck? Attends, c'est toi ça? Le vieux, c'était toi? Have you just arrived? How Oui. very unusual. Just how long has it been? Rejoice, my new friend. For this is a true haven of the forlorn, the cold and gentle painted world of Ariandel. Quick, go along. Find one for your sweetly rotting bed to lie upon. Okay. Ah, yes, of course. You're no exception. We've all seen terrible things. But you're safe now. Let it ease your burden. Ariandel will make a fine home for you. So, go on ahead. Find cool, donc je vais pouvoir construire ma maison et tout. C'est genre comme une extension de... Comme une extension de...
De ce qui rime, c'est ça? Quick, a sweet. Ok. Bon bah je vais trouver un lit alors. Ensuite je poserai ma maison, puis ce sera cool. Mont de pin d'Ariandel. Oh putain, si la distance d'affichage va être aussi merdique par contre. Qu'est-il? Bonjour. Bonjour. Alors je tiens à rappeler que du coup nous faisons le DLC en difficulté New Game +++. Ok, ils sont vénères. J'ai fini le jeu à 100%, donc nous sommes en dans une bonne difficulté. C'est un ennemi, ça? Non. C'est un arbre très bizarre. Ah! Espèce de méchant. Ah, et je tiens aussi à préciser que nous sommes level 232. Juste au cas où. Aïe, what the? Qu'est-ce que c'est que ça? T'es moche. T'es mort aussi. Mais ils ont rien de très spécial hein, pour l'instant, les nouveaux mobs. Enfin, nouveau, nouveau, c'est vite dit, hein. Des humanoïdes et une mouche. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Oh merde! Ah bah, tout va bien, en fait. Ah, mais je voulais explorer en haut! Va te faire foutre. Je ne vais pas explorer, je veux explorer moi. Voir ce que je peux trouver ici. Par contre, j'espère qu'il n'y a pas des trucs liés au New Game Plus. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Bon, ok. Tu tiens, hein? Il est bizarre, ce mec. Mais prenez vos coups en fait les gars, principalement. Tu tires à travers les arbres, salaud. T'as pas le droit de ça. Oh, vous êtes nul à chier, bordel. Bon, au moins ils sont pas cheap à te toucher alors que ils ont visé là où tu étais. Mais merde quoi, vous êtes nus à chier. Moi je vais monter là-haut moi. Bonne question. Ah mais il n'y avait rien d'autre à explorer en fait, c'est ça? Bon d'accord. Puis tombé. Ok. Et plutôt direct du coup le DLC là pour l'instant. Ouh, ça bouge ça. Ouh.
Oh, des loulous! Des mini-sifs. Aïe! Oh, d'accord, vous allez savoir me faire chier, vous, hein? Ah, bah, les arbres, ils bougent, ceux-là. Je pense pas que tu me fais chier, mais tu me fais chier. Nul à chier ces mobs, bordel. Attends, je suis un game plus. Oh putain. Oh putain. Bon, par contre là c'est un peu du gangbang. Du gangbang aimbot en plus. Voilà, merci. Vous êtes nuls à chier, mais alors quand vous êtes plusieurs... Là, vous savez briller, les gars. Par contre, l'attaque post-mortem, ça c'est un petit peu n'importe quoi. Je tiens à te le préciser, je... C'est de la merde, ça. Bon, toi, tu fais de la glace, c'est cool. Ah, tu me tiens. Tu vas pas moins de chat, rassure-moi. D'accord, joli. Aïe. Ça me fait très très mal, mais c'est pas très grave. Je pourrais prendre ça comme lit, les gars. S'il vous plaît. On m'a dit de chercher un lit, j'ai trouvé un lit, là. Ah, un lit, là, c'est drôle. C'est comme les plantes. Non, mais je prends mon temps, en fait. Voilà. J'ai un vrai ou un faux? J'ai un vrai arbre. Toi aussi? Oui. Et toi, non. Pourquoi je m'y attendais? Enfin, qu'est-ce qui se passe, là? Wow, calme-toi, toi. Tu furax un peu? Oh, ils sont relous, ces trucs, bordel. Ah, merci. Non, mais stop les dégâts post-mortem, là, par contre, ça commence à être cheap. À quoi, même dans mon inventaire de stockage, j'ai trop de bombes noires? Waouh, d'accord, ok, bon. Vous servez à rien. Arme gelée. Ouais, un sort qui me sert à rien. Génial. Et par là. Ça m'a l'air bien par là. Je peux descendre là si je veux. L'entrée de la grotte est là de toute façon. Cool! Un feu! Je me demande si un jour ils feront leur feu mimique. Parce qu'il y a eu des concept art pour Dark Souls 2 comme quoi ils voulaient faire des feux mimiques. Oh! Bon, bah, je dirais que c'est par là. Et moi, j'attends juste ça, en fait. Ça doit être génial. Ça doit vraiment faire des bons pièges. Bingo.
Et en fait, pourquoi je récupère ça? Ça me sert à rien. De toute façon, les mecs, ils ont même pas sorti du Trigrade Sword pour ce DLC. Donc, c'est pas du stuff intéressant. Et oui, je suis l'homme des Ultra Great Swords. J'ai essayé les cestes. C'est pas mal, mais c'est pas... C'est pas mon genre. Et je vais quand même aller voir l'église. On parie que le pont, il va se faire détruire par un dragon. Puis que ce sera exactement à copier-coller de l'animation de Dark Souls 2. Genre, je suis sûr et certain qu'il va venir un peu au bout du pont. Et qu'en plus... Eh ben, il viendra de la droite. Est-ce qu'on est prêt à parier ça? Ah, ça fait bzz bzz, j'aime pas. Carte confession. Mais ça sert à rien. Vous pouvez mettre des items un peu intéressants pour du late game. Ou même du early game, en fait. Parce que là, mais, tous les items qu'on a trouvés, c'est de la merde, hein. Allez, parions. Oh, pas de dragon. Ah, ça aurait peut-être fait trop de recyclage. Je vous emmerde par contre. Oui, désolé, vous êtes des âmes gratuites. Je vais pas vous laisser en vie, hein, les gars. Salut! Oui, j'ai failli faire le con. Bonjour! Well, you look to be unkindled. Cette voix? No bell tolls. And yet you've slipped into the painting. Ah, no matter. If you've lost your way, the words of Lady Frieda will guide you. Now, go on inside, show respect and listen carefully. What's keeping you? Show respect. What's keeping you? Show... Dame Fried. Ok. J'aime pas du tout le... que j'entends. Quelque chose me dit que c'est un boss. On a ce qu'il faut pour un boss? Ah, on a ce qu'il faut. Let's go. Bonjour, êtes-vous un boss? Sûrement, mais je tenais à vérifier. Ah bah non, il y a un feu. Oh bah c'est pas un boss alors. Oh, une porte. Il ne s'ouvre pas. Qu'est-ce qu'il tape? Un peu flippant ces peintures pour certaines. Genre en fait, on t'a peint normalement, puis on t'a peint alors que tu brûlais. Qu'est-ce qui est écrit? Attaque dans le dos nécessaire. Mais non, c'est pas nécessaire. Ah, il y a une échelle. Cool! Coucou Madame Frieda. Welcome to the painted world of Ariandel. I am Frieda. I have long stood beside our blessed father and the rest of the forlorn. But forlorn thou seemest not. Ashen One, I know not the missteps which led thee to this painted world. But thy duty is all, and thy duty lieth elsewhere. Mais j'ai déjà fini le jeu, hein. I presume it visible to thee, the bonfire here in this room, a meek and faded thing, but 'twill guide thee nonetheless. Putain, le DLC il me dit cassez-vous d'ici. There is a thing thou shouldst by rights possess. Ours ah bon? Is a chance encounter to be sure, but perhaps it was meant to be. Let this be a remembrance of this cold world. A thing to help thee bear thy duty. Cool. Done. Mais c'est de la merde. Now, return from whence thou camest. Thou'st a place in that world,
And that alone is... C'est tout? Bon. Je me casse, hein, Miss, je donne des trucs inutiles. Mais c'est peut-être important que vous soyez venu. Tenez, un anneau qui résiste à la morsure glaciale, qui était un truc à peine utilisé dans le jeu de base et plutôt utilisé dans le DLC. Génial, non? Juste une résistance à quelques dégâts, quoi, je m'en fous un peu. Ah, c'est donc à ça que ça ressemblait quand elle a fait sa session Bukkake. Intéressant. Mais, ça sert à rien de venir ici. Mais pourquoi venir ici alors? La merde! Je suis déçu. Et d'où viennent ces bruits? Attendez. Là, je l'ai entendu. D'où ça vient? C'est quoi? Attention, démon. Bah non, c'est une... comme nous. Ça se voit sur les tableaux. Eh, hey, remarquez, elle m'a demandé d'utiliser le feu. Qu'est-ce qui se passe si j'utilise le feu maintenant qu'il me l'a demandé? Bah attends, j'ai pas essayé de voyager. Ok, bon, bah je peux voyager tranquille, je peux m'en aller, si j'ai vraiment envie. Tiens, un levier. Qui sert à rien. Ok. Lady Frieda has spoken, has she not? Ouais. Then tarry no longer and be gone. There is one thing you should know. Oui. Inside the cold painting, curiosity could be your cross. Curiosity killed the cat. Flame, and the snow will swallow you whole. Et tout? There is one thing inside. Bon, d'accord, au revoir. Si t'as rien d'autre à me dire, moi je me casse, hein. Putain. On a un DLC à faire quand même. Oh, bah je l'avais pas vu la grande échelle là. Ah ouais, mais il faut être tout en bas en fait pour pouvoir la prendre. D'après ce que je vois. Ok. Ah, à quoi de tomber là? Même pas de mur invisible ou quoi que ce soit. Ouais, c'est juste pour éviter de prendre l'échelle, quoi. Wouhou. Je vais peut-être massacrer quelqu'un qui aurait pris l'échelle. Aïwata! Rayon magique! Si j'étais mage, putain. C'est la même animation que dans Dark Souls 1. Ah. Encore ces mochetés. Well, let's go. Qu'est-ce que t'es, toi? Voilà les enfants, pourquoi il faut pas vous mettre des trucs trop gros dans la nuit. Après, vous aurez un énorme prolapse comme ça. Faites attention, c'est très dangereux. Bon, à part être à One Shot Land, je peux voir un truc marrant ici? Qui a hurlé? Qui a hurlé? Ne hurlez pas comme ça! Je vais réveiller quelqu'un. C'est toi qui a hurlé? Comment?
Bon, par contre, les cadavres d'oiseaux morts, c'était pas obligé que ça ressemble vraiment à des oiseaux morts. Parce que ça me rappelle des mauvais souvenirs. C'est vraiment dégueulasse. Du coup, j'ai tué des oiseaux morts. Ils sont quoi maintenant, super morts? Ouh, ça a l'air intéressant là-bas. Ah, oh, c'est ça l'arène. Oui, parce qu'il faut le savoir, ce DLC, c'est pour le PVP. Chose dont j'en ai absolument rien à foutre. Mais ouais, From Software, ils se sont dit, non mais on va sortir un DLC pour le PVP alors qu'on fait rien pour tous les cheaters en ligne. Que ce soit sur console ou PC. On va sortir un jeu, un DLC orienté PVP dans ce cas-là. Ouais, très bonne idée. Il y a un truc qui fait dling dling. Ah, il doit être au sommet en fait. Comment je monte là-haut? D'accord. Me hurle pas dans les oreilles comme ça! Ah, c'est toi! Non, mais arrêtez de vous cacher dans les textures, s'il vous plaît. Ah, je ferme. C'est limite dégueulasse, en fait, ces trucs. Bonjour! La résistance! Des dégâts de saignement! Et tu le dis. Déjà vu quelque part, rien de plus. Ouais, c'est exactement la même arène que dans Dark Souls 1 en fait. Genre copier-coller. Génial, non? Le DLC il coûte 16 balles, ils se sont encore permis de faire du copier-coller. Trop bien! Comme si le jeu d'origine n'était pas déjà assez copier-coller. Coucou, t'es gentil. T'as l'air gentil. Well, there is nothing forlorn about you. C'est grave si je te dis que ta voix va pas avec ta tête. Ouais. Oh, finally, you have come. Oh, wondrous Ash, grant us our wish. Make the tales true and burn this world away. My lady must see flame, and you have only to show her. You are Ash, are you not? Is it not fire that you seek? Surely you have seen the rot that afflicts our world. Ouais, c'est dégueulasse d'ailleurs. That which fooled the good father and buried the flame. After we had all made up our minds too. So, please, make the tales true. And burn this world away. My lady must see flame. And you have only to show her. Ouais, il faut que je brûle ce monde. Please, I am so terribly frightened. Ah, la chair de poule, c'est drôle parce que c'est un piaf. Non, c'est pas drôle. Like those fools on the outside. Oh, c'est tout? Oui. Y'a plus de piaf ninja? Ah si, toi t'es un piaf ninja. Ah bah non. Hein? On va essayer.
Un feu, encore un. Et à 20 milliards de feux, même pas de boss. Je suis venu de là. Non. Oui, j'étais venu de là. Attends, y'a vraiment des gens qui sont morts dans ce DLC? Foutez de ma gueule, les gars! Comment vous êtes morts dans ce DLC? Les ennemis sont pourris! Bon, peut-être qu'ils ont pas over-level up comme moi. Peut-être que c'est des gens qui se sont restreints. Ils se sont dit, non mais je me limite à level tel et tel. Pour le PVP. Moi, j'en ai rien à foutre du PVP, donc je me limite pas. Bon, il n'y a pas de mur invisible, donc je ne sais pas comment je vais accéder de l'autre côté. Coucou copain! RIP copain! Eh, hey, vous allez où les gars? Je peux vous suivre? De fœtus, de bébé mort, bébé oiseau mort dégueulasse. Hein. Ta gueule! C'est pas la peine de nous violer les oreilles, les gars. Ouverture impossible de ce côté. Eh, on paraît que la prochaine porte que je trouve, ce sera ouverture impossible de ce côté. Coucou copain. Quoi, t'as cru que tu m'avais fait peur ou mal? Pas mal cru. Armure, il y a des trucs qui vont tomber du ciel. Ah bah non, même pas. Y a une petite fleur ici. Je peux empoisonner si. Non, même pas. C'est juste que le poison met 20 ans à partir. Ok. Copain! Copain mort! Copain! Mort. Hey, eh, autre copain! Bref, c'est pas par là que je vais atteindre la zone que je vais atteindre. Menteur, droit devant. Quoi, y'a quelqu'un qui a dit sauter? Ouais, c'est par là! Hop là, oui! Coupin! Mort! Bon, alors c'est par ici que je vais atteindre le truc, mais c'est par là qu'il y a la titanite scintillante, donc on va y aller et le tuer. Grand fragment de titanite x2. Génial, c'est de la merde. Bon, ici, ça sert à rien de sauter. J'arriverai jamais à faire ce saut. Donc, on va faire l'autre saut. Puis, on s'arrêtera là. Pour le DLC. Là, je vais pouvoir upload ça. Puis, je pourrai faire le reste avec Lynx. Oui! Bordel. Plume de corbeau. Ouais, une arme pas utile parce que c'est pas une ultra-agressor. Bref. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre des likes et de partager. Et à la prochaine. Bye bye.